Est-ce que vous manquez de volume dans vos cheveux? Ce soir, je vais vous parler de la gamme volume de Monat. Donc, je m'appelle Andréane Brown, je suis biologiste moléculaire, experte en soins capillaires Monat. Je vous présente ce soir la gamme volume. Donc, pour vous montrer ce que ça fait dans les cheveux, c'est la gamme que je me suis faite ce soir. Donc, c'est trois produits, la gamme volume. C'est vraiment quelque chose qui va venir aider les personnes qui ont les cheveux fins à acquérir un peu plus de volume dans leurs cheveux, un peu plus d'énergie et vraiment un peu plus de « oomph », comme j'appelle, ok? Je sais pas comment le définir, mais bon, c'est quand même ça. Et c'est trois produits qui fonctionnent vraiment en synergie. Donc, comme tout shampoing et soin Monat, il est très, très, très important de les laisser agir, donc de permettre le temps de pause aux produits pour faire leur efficacité. On sait que pour avoir du volume au niveau des cheveux, il faut aller, pour avoir un plus gros diamètre aussi de cheveux, il y a deux façons de faire. En nourrissant le bulbe avec des produits qui sont sains et vraiment nourrissant comme l'huile rejuvenée qu'il y a dans tous nos produits, et aussi en ouvrant un peu les cuticules, donc les écailles des cheveux, mais de façon contrôlée. Parce qu'on sait que si les cheveux ont les écailles ouvertes, donc c'est des cheveux qui sont considérés comme poreux, c'est des cheveux qui sont considérés pas en santé. Par contre, lorsque on est maître de cette ouverture et qu'on a des cheveux en santé, ça fait un plus gros diamètre aux cheveux, ça fait un plus gros volume. Donc, c'est ce que le soin, la gamme volume de Monat permet de faire aux cheveux. Donc, je vais vous présenter les produits. On a tout d'abord le shampoing Revive. Le shampoing Revive, c'est un nettoyant doux qui va vraiment venir nettoyer en profondeur le cuir chevelu. On le laisse agir une minute au niveau du cuir chevelu pour vraiment aller nourrir le cuir chevelu, aller enlever toutes les pollution environnementale qu'on pourrait avoir, toute la sueur et les mauvaises choses qu'on aurait sur le cuir chevelu. En même temps, en le laissant agir une minute, on vient vraiment apaiser le cuir chevelu grâce à l'huile rejuvénique qui va venir diminuer l'inflammation du cuir chevelu. Comme ça, on a moins de pellicules, on a moins de démangeaisons et on nourrit les bulbes en même temps. On a aussi le capixil dans ce shampoing qui fait qu'on peut régénérer aussi la pousse des cheveux. Donc, tout ça qui fonctionnent ensemble, on a vraiment un beau mélange pour accentuer la pousse, la repousse et augmenter le diamètre du cheveu. Pour contrôler l'ouverture du cheveu, c'est vrai, des cuticules des cheveux, c'est vraiment important de poursuivre, ok, avec le revitalisant de la gamme volume, le Revitalize. Donc, c'est important de le laisser agir 3 minutes au moins au niveau du cuir chevelu parce que on va venir refermer un peu les écailles de façon contrôlée tout en gardant l'hydratation scellée à l'intérieur du cheveu. Donc, c'est vraiment important pour pas qu'on se retrouve avec des écailles trop ouvertes au niveau des cheveux. Ça va mélanger les cheveux. On n'aura pas non plus la luisance qu'on a présentement, okay, si on ne laisse pas agir comme il faut le revitalisant au niveau de la longueur. On ne l'applique pas au cuir chevelu, c'est très important. Fait que de cette façon, on va vraiment aller venir sceller l'hydratation. Donc, après les 3 minutes, on rince à fond. On essore à la serviette environ 5 minutes. Et on continue avec le releveur de racines. Donc, le releveur de racines, ça le dit, c'est à la racine qu'on l'applique. Donc, le releveur de racines va venir vraiment, à l'aide du séchoir, faire relever les racines. Donc, on va vraiment venir lever le cheveu pour aller donner le volume au niveau de la racine. C'est inutile de le mettre sur les longueurs. Si on veut du volume dans les longueurs, on utilise un autre produit qui s'appelle le Thickening Spray. Mais ce soir, dans la gamme volume, c'est shampoing revitalisant releveur de racines et ça fonctionne seulement au séchoir. Donc, on assèche les cheveux grâce au séchoir. Puis, ce que vous voyez ce soir dans mes cheveux, c'est vraiment les trois produits plus le rejuvabide, ce que j'applique tout le temps aux pointes.
séché à l'aide d'une brosse ronde et d'un séchoir à cheveux. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai dans mes cheveux. Ils sont pas plaqués. J'ai pas utilisé de fer ou quoi que ce soit. C'est vraiment la brosse ronde. Puis pour aller chercher le volume, on a juste à tâter un peu les cheveux comme ça. Et on a le volume à la racine qu'on a besoin pour la gamme volume. Donc, c'était ma petite présentation de la gamme volume. Si vous avez des questions à propos de cette gamme-là ou n'importe quel autre produit, ou si vous avez des problématiques au niveau du cuir chevelu et de vos cheveux, je vous invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. N'oubliez pas de briller les diamants. Bye bye!